C'est quoi ce délire? Attention! Vous allez pas en prendre vos yeux! On l'a déjà entendu, celle-là. Pas de quartier! Arrête un peu de te la jouer! Rien à parler! J'arrive juste à temps. Tu me sauves. Bien vu, Katio. Ok. Voyez que t'adorais les fruits de mer. Surtout de cette taille. Gros crustacé. Pas de pour ça, tu non. Ignis. Je commence à avoir les mains noires. Il se peut que ça se coupe. C'est des prières. Stop. Merde. T'as pas intérêt à merci. Par ici! Tu tiens le coup? Ouais. Toujours. Prends-toi! À l'attaque! Bien joué, Prompto! Ignis, fais attention. Entendu. Bien joué! Vas-y! Note, t'assure! Évidemment! Je t'aurai! Je pensais pas que ce serait si difficile. La situation est en vue. Ah!
Arrêtez. Oh. Hey, Prompto, Nord, t'as besoin d'un coup de main. Compris. Bien. J'y vais. L'échec n'est pas une option. Prompto. Bon. C'est clair qu'on ne fait pas le choix. À l'attaque. En retraite, Doc. Allez, on se met. Joli travail. Maintenant. J'arrive. Voilà. Hey. Hop. Tu m'as pas vu. Pardon. Allez. Je pensais pas que ce serait si difficile. Eh bien, c'est un honneur de vous avoir connu. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a, Ignis? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Alors, il paraît que c'est derrière la chute d'eau. Bon, allons vérifier ça. Ah, j'ai l'impression qu'on peut passer. Tiens, je crois bien que j'ai trouvé une entrée. Alors, cette histoire est peut-être vraie? Edith, c'est moi ou la température baisse? Ça vous dit pas d'aller chercher des manteaux? N'importe quoi. T'es une chochotte. Remarquez, il fait tellement froid que, si ça se trouve, il n'y aura pas de démon. Tu parles, il s'en tape de la température. Ouais, peut-être. Ah, mais il se pourrait qu'ils soient tous congelés. Comme d'horribles blocs de glace. Regardez, voilà le comité d'accueil. Fini de rigoler. Tu vois, ça marche. Surveille bien l'adversaire. Bon, et surtout, ça va, ne... Merde. Merci. Il se pourrait que ça se complique un peu. Gacho, vas-y. Belle performance, Doc. Ouais, on a eu. Je la sens pas trop, cette pente glissante. Surtout avec des chaussures comme ça. J'ai pas envie de me casser la gueule. Attention! Débarrassons-nous de ça. Je crois qu'il est empoisonné. Yeah.
Nadio. On sera pas venu pour des brunes. Tais-toi un peu et cherche. Non, ça va pas recommencer. Noct, tu sais que tes cheveux sont tout gelés derrière ? Quoi ? T'es sérieux ? C'est parti ! Ok. Noct, t'as plein d'armes. Utilise-les ! Ok ! La pêche aujourd'hui. Évidemment. La perfection. Combo parfait. On est proche de la perfection, non? Oui, très proche. Prends ça.
Ça aurait pu être pire. Faites gaffe, ça glisse. Avancez tout doucement. Il y en a combien comme ça? On passe à l'action. Tout va bien, ça va. Je résiste. C'est périlleux de se battre dans le noir. On pourrait allumer la lumière quand même, non? Il était sans fin, ce combat.
Désolé, Spider Lady, mais t'es pas mon genre. L'épée serait cachée par là? Il y a des chances. Eh bien, allons jeter un coup d'œil. C'est sûr. Ah, je suis frigorifié. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon petit bol de soupe bien chaude. Ouh. Bon, on devrait plus être très loin là. Enfin, j'espère. Regardez. Évidemment, c'est bien gardé. Ça tient lourd. Ce serait bien trop facile si... Garde tes
failli passer. Prends-toi, tu gères. Cette fois, la peur va changer de camp. Joli travail. C'est normal. Eh oui. Prends-toi. À l'attaque. La folie l'a emporté. Mince. Une seule œuvre, c'est lui. Nadio. On va pas tarder à nous lâcher. Attaque par derrière. C'est mal en point. Une petite baisse d'attention. Faut tout faire. Oh là, attention. C'est pour qui ? C'est bon, j'y vais.
Noct, ça va? Mais qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Quoi? Un cratère. Un feu éternel. C'était le météore? C'était le disque de Kotès. On ferait bien de prendre la route de l'Estaloum. Allons raconter ça à ta... Kot. Noct, fais attention à ne pas acheter des objets inutiles. Ça va, je suis pas débile. Tu te prends pour ma mère ou quoi? Non, mais je la plains. Je dors debout. Oh, moi aussi. Thank you.
fait toujours aussi chaud ici. T'as qu'à enlever ton t-shirt. Pour faire comme toi, même pas en rêve. Qu'est-ce qui se passe? T'es gêné de montrer ton corps de jeune et faible? Eh, j'ai des abdos, mon pote. Bon, même si on les voit pas. Bah, foi, si tu le dis. Encore des maux de tête? C'est quand même bizarre. Oh, Prince Noctis! Je t'attendais! Ton histoire nous a beaucoup aidés. Vous nous envoyez enchantés. On te revaudra ça, Talcott, merci. Pas la peine! Félicitations. Je suis si fier de toi. T'as mal? T'inquiète, ça va passer. Mais il faut quand même qu'on aille enquêter sur ce disque de Kotes. Ok. Allons au parc de Peglar. Il y a des télescopes. Bien. Je pense que nous devrons quand même aller sur place. Mais commençons par le parc. Qu'est-ce que ça sent bon? Waouh! Je vais me faire péter le vide! Hein, je pense que je pourrais cuisiner ça. Quelle coïncidence! Ah, l'humble voyageur. Dites, les contes et légendes, vous aimez ça? Comme celle de l'Archéen. Il appellerait le roi de dessous le météore. Malheureusement, la langue des dieux est inconnue des humains. On dit même qu'elle donnerait des maux de tête à certains. Comment on arrange ça? Vous savez? Vous pourriez aller le voir. Il serait outrageux d'ignorer l'appel d'un dieu. Je vous emmène. Alors? On le suit pour voir? Au pire, on le largue. D'accord. Bon, ok.
Je n'aime guère le protocole, mais il est toutefois nécessaire de faire les présentations. Mon nom est Hardin, pour vous servir. Suivez-moi jusqu'au parking. C'est là que j'ai laissé mon véhicule. J'ai une passion pour ma voiture. Elle n'est pas aussi spectaculaire que la Regalia, mais elle ne tombe jamais en panne. Nous allons former un convoi de 2 voitures. Très militaire, n'est-ce pas ? Pas mieux cadeau de chocobo. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Prêt de votre côté? Bon, si vous le permettez, je vais choisir le chauffeur. Et donc, ce sera toi. Ignis, je t'en prie. Allons, c'est toujours lui qui conduit. Laisse-le faire une pause pour une fois. Tu conduis ta voiture et moi la mienne. Ok. Allez, on est parti. Pour information, ce n'est pas une course. Contente-toi de me suivre comme un gentil garçon. Si tu me perds de vue, tu ne retrouveras pas ton chemin. Mais pas question de me coller. Un accident gâcherait mes vacances. C'est bon, ça va, j'ai compris. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. Conduis prudemment. D'abord Galdina, puis l'Estaloum. C'est une rencontre due au hasard? C'est un peu trop gros pour une simple coïncidence. Si vous voulez mon avis, il nous suit à la trace. Mais pourquoi ferait-il ça? Décidément, je n'arrive pas à comprendre sa logique et ses intentions. Il fait pas très impérial comme type. Ni lucidien. D'où est-ce qu'il peut bien venir, ce mec? Si on peut l'éviter, ce serait bien. Sauf qu'on a besoin de lui pour entrer dans le disque. Enfin, selon lui. Et que pense le prince de ce mec bizarre? Rien de spécial, c'est un vieux cinglé, c'est tout. Tout à fait.
C'est juste un cinglé. Alors on est d'accord. On change pas nos plans. S'il essaie de nous arnaquer, on se tire. Noct, ça va les maux de tête? Pour l'instant, oui. Mais ils arrivent d'un coup. Pourvu que ça se déclenche pas quand t'es au volant. Si ça va pas, tu t'arrêtes, hein. Y aura des sanctuaires sur la route? Je vois qu'il y en a un qui veut camper. Et d'autres qui veulent un vrai lit. Un sol bien dur, c'est ce qu'il y a de mieux pour le dos. On pourrait pas essayer une caravane pour une fois? C'est pas si génial, la belle étoile. Au rythme de la nature, sous les étoiles, y a rien de plus beau. En plein air, pas de régliotes. Pas d'horaire à respecter, par exemple. Pas de réveil imposé? Noct va te soutenir à 100%. Bah, si je peux dormir plus longtemps... Ils ont peut-être la vie dure, mais je les envie, les chasseurs. Que diriez-vous de faire une pause ici? Dis donc, on devait pas rejoindre Kotes. L'Archéen ne va pas s'envoler. Et nous, on n'est pas arrivés, avec toi comme guide. Bref, on campe ici, et avec Ardyn. Ça sera sans moi. Dans ce cas, je vais monter la tente. Ah, personnellement, je n'ai jamais aimé le grand air. Je préférerais plutôt payer pour profiter du confort d'une caravane. C'est mignon. On se croit vraiment en vacances. Des vacances forcées. Comme ma mère l'a fait avant moi, j'apporterai la paix aux gens du monde entier. Ce jour-là, la plus jeune des oracles prit ses fonctions. Un événement historique. C'est dur d'offrir sa bénédiction? C'est très facile pour moi. C'est surtout dur pour ceux qui doivent attendre leur tour dans la souffrance. Mais je promets de bénir chacun d'entre vous. Alors soyez patients. Sujet de fierté et d'inquiétude, l'oracle s'est progressivement métamorphosé sous nos yeux. Je crois que vous avez... Où qu'elle aille, j'espère qu'elle s'en sortira. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Rassurez-vous, la douleur va s'atténuer rapidement, je vous le promets. Vous êtes mon seul espoir. Pitié, Eos, mère nourricière de toute vie. Que ta lumière préserve cet homme des ténèbres. Vous semblez être en bonne voie. Cela risque de prendre quelques jours, mais vous devriez guérir. Incroyable! Je ne sais comment vous remercier, Dame Lunafreya. Dame Lunafreya, quelle chance de vous rencontrer. J'ai si mal. Asseyez-vous là. Ah, merci. Mais grâce à vous, je serai bientôt soulagée. Très bien. Alors commençons. La pauvre petite, on aurait dû la recueillir. Exactement. Je l'aurais bien cachée chez moi. Ou chez moi. J'aurais renvoyé ma femme chez ses parents. Dis donc, Noct. Good morning. Je vous préviens, passé ce point, il sera difficile de revenir. Impossible même. Vous êtes sûr de vouloir ça?
Bien. Faites-moi signe quand vous serez prêt. Thank you.